Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir, c'est le cours numéro 84 d'art dramatique. J'avais pas mal d'idées en tête, mais pour vous sortir quelque chose un peu, chaque fois un peu d'original, c'est assez difficile. Parce qu'en ce moment, je me demande, si vous voulez, ma préoccupation en tant que chroniqueur, un peu journalier, je me demande si je ne devrais pas élargir mon public et viser plus de spectateurs dans le sens, dans mon sens de communication, si vous voulez. Alors, je suis en train de réfléchir à un programme pour pouvoir être en même temps intéressant pour les gens, en même temps pouvoir le faire perpétuellement. Pouvoir, en fait, j'ai tellement envie de dire ce que j'ai envie de dire, parce que c'est pas que j'ai envie de le dire, c'est que c'est tellement, à mon sens, nécessaire de le communiquer que ce serait dommage de rester dans une petite frange de population très minime, vous voyez, 10-30 spectateurs par séance. C'est vraiment... très peu. Est-ce que je dois faire part de mes inquiétudes? Parce que ce sont des inquiétudes profondes que j'ai. Si vous voulez, c'est un peu comme si quelqu'un avait la bonne parole à prêcher et qu'il ne trouvait pas son public. Il est complètement... complètement... bouleversé par ce phénomène qui est très difficile à comprendre. Voilà mes incertitudes qui me tardent comme ça. De grosses incertitudes, n'est-ce pas? Parce que si vous voulez, moi, je ne fais pas ça à but commercial. Je ne fais pas ça à but personnel. Je fais ça à but humanitaire. Et évidemment, humanitairement parlant, je ne vais pas consacrer toute ma vie à mon ardeur et ma vie et mon énergie dans une cause humanitaire qui me semble en plus très minime d'impact.
voyez, parce que là, si je devais continuer comme ça, ce serait vraiment très, très difficile avant de trouver un public qui comprenne, quoi, je veux dire. Et même si je trouvais un public qui comprenait, à quoi ça servirait finalement? Si nous ne sommes pas des millions, vous voyez, moi ce que j'aimerais c'est toucher des millions de gens, éduquer la frange de la population entière de la France, vous voyez, c'est pas un petit nombre, une petite classe de 30 élèves seulement, c'est déjà pas mal, mais je vais pas dévouer toute ma vie à une éducation de 30 personnes qui n'auront aucun retour, je veux dire, où j'aurai aucune gloire à le faire, quoi. Je veux dire, si vous voulez, l'intérêt d'un cours, c'est que ce soit démocratique, vous voyez, c'est que ce soit approuvé par l'ensemble de la population, pas juste par une petite frange, minime. Sinon, j'ai écrit un livre pour ça, ça suffit largement, hein. Je vais toucher 10 personnes, bon, ben, mon livre il peut travailler pour moi tout le reste de ma vie. J'ai pas besoin, moi, de me sacrifier en plus, faire des cours, faire des vidéos, faire tout ça pour encore toucher 10 personnes. Voilà. Alors, si j'investis de l'argent, si j'investissais de l'argent, ça me coûterait peut-être 3 000, 6 000 euros, 3 à 4 000 euros par an, raisonnablement parlant. Au bout de 4 ou 5 ans, ça ferait dans les 20 000 euros. Ouais, moi, je ne peux pas me permettre non plus de dépenser de l'argent pour rien. Vous voyez ? Il faudrait, dans l'idéal, il faudrait que ce soit une succursale qui me finance, enfin des gens plus importants qui me financent, vous voyez, pour que je puisse, moi, être un peu tranquille de ce côté-là. Voilà, ce soir, je vous fais part de mes inquiétudes sur le cours d'art dramatique, tel que je le vois, qui me semble indispensable pour le monde. Et je ne suis pas écouté par l'ensemble de la population. Alors, voilà, il faut que je trouve une solution, il n'y a rien à faire. Alors, il faudrait que je vous dise en quoi mon cours est essentiel d'art dramatique. Parce que le souci que j'ai, ce n'est pas un souci financier. Comme je vous ai dit, je peux gagner de l'argent par moi-même, je suis aisé, je me sens bien dans ma vie. Ce n'est pas ça mon souci. Mon souci, c'est humanitaire. Je voudrais que l'humanité progresse, ne reste pas dans cette mélasse. J'appelle ça une mélasse, quand les médias ont tout le pouvoir sur le peuple et que le peuple obéit comme des moutons à n'importe qui. Je sais pas, mais... Et ça dans le monde entier, hein? On n'a aucun contre-pouvoir, que ce soit en Amérique, dans tous les pays, je veux dire, dans tous les pays mondiaux industrialisés, tous les pays modernes, dans le monde entier, on n'a aucun contre-pouvoir aux médias. Et les médias occupent la part la plus importante d'influence sur le public. C'est-à-dire que, à mon sens, les médias sont plus importants que les hommes politiques. Les médias sont plus importants que tout le reste, parce que les gens ne font que d'écouter des médias toute la journée. Vous rentrez le soir, vous ouvrez votre télévision, vous regardez les médias,
vous recevez des textos sur votre téléphone portable, vous regardez les médias. Vous travaillez au bureau, vous regardez encore les médias. Tout est un monde de télévision. Et en ce que je fais en ce moment, c'est encore de la télévision. Mais moi, à l'inverse d'une revendication ou de mon propre intérêt, je travaille contre la télévision. C'est-à-dire que je n'ai pas d'intérêt personnel, j'ai un intérêt global humanitaire. Je veux éduquer la population de façon à ce que la population ne soit pas naïve face aux médias, que les gens fassent la part des choses, de ce qu'ils entendent. Pour qu'ils fassent la part des choses, il faut leur apprendre à avoir un jugement autocritique, ce qui est absolument impossible actuellement. Parce que quand on vous présente une émission télévisée, on vous affirme que ce que vous voyez est la réalité. On vous l'affirme, on ne vous laisse pas de doute. Observez bien, même les téléfilms, même tout ce que vous pouvez voir à la télévision, il y a toujours une sorte de pression sur le téléspectateur qui vous font croire que l'image que vous voyez est le film que vous regardez. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir deux lectures de ce film. Et moi, ce que je veux apprendre au lecteur, au spectateur, pardon, c'est de lire en double les images. La même parole, la même chose peut signifier deux choses différentes. De façon à ce que les gens soient réactifs dans leur tête et ne prennent pas tout au premier degré. Et c'est très important. Sinon, on est manipulé. On est manipulé vers la direction, la seule direction qu'on vous oriente dans le choix, dans le langage télévisuel qui est actuel. Voilà. Et ça me semble fondamental. Si l'humanité veut évoluer, ça ne passe que par ça. À mon sens personnel, mon analyse personnelle du monde que j'ai. Ce n'est pas les lois qui vont faire évoluer le monde, ce n'est pas les politiques qui vont faire évoluer le monde, c'est les médias. Et les médias, il faut instaurer un contre-pouvoir médiatique de façon à ce que nous ne soyons pas tirés par le bout du nez par des puissances occultes qui dirigent les médias. Évidemment, en disant ça, je me mets à dos tous ces gens puissants qui ont leur main sur les médias et qui veulent faire ce qu'ils veulent. Ce sont des dictateurs. Voilà ma misère morale dans laquelle je suis plongé, parce que je ne peux pas, moi, tout seul, lutter contre le monde entier, contre tous les médias du monde entier, et financer, moi, tout seul, ma propre campagne contre tous ces gens-là réunis. Il faut quand même que la foule... Je veux dire, il faut quand même qu'il y ait des gens qui pensent que ce que je dis est valable. Voilà. Et s'il n'y a que 10 spectateurs qui regardent mes trucs, avant que ça tombe dans les oreilles de gens qui peuvent agir, qui peuvent réfléchir. Moi, j'ai écrit une lettre au Premier ministre de la France, évidemment. Je suppose qu'ils sont en train d'éplucher mon dossier, évidemment, mais je ne pense pas que ce soit suffisant. Enfin, je ne sais pas. Je crois qu'il faudrait au contraire qu'il y ait des industriels, des gens puissants, qui fassent la contre-pouvoir médiatique. Parce que je pense qu'ils auraient intérêt à le faire. Ne serait-ce que pour valoriser leur image personnelle. Vous voyez, quand vous allez contre une force puissante, automatiquement votre image paraît au grand jour. Voilà.
Écoutez, moi j'attends des retours, c'est tout ce que je peux souhaiter, c'est tout ce que je peux faire. C'est tout, à part désespérer dans mon coin, c'est tout ce que je peux faire. Je vous remercie, c'était le cours 84 d'art dramatique. Un appel à l'aide, un appel au secours, quoi. On verra bien. Au revoir. La 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 la. Merci, au revoir.